Officier du ministère ici, du ministère de l'Éducation, les membres de la SMF, les membres de la police, mais surtout, tout ça, plus de 6000 élèves et étudiants qui ont participé pour permettre, réalisent l'événement d'hier et surtout permettre d'établir ça avec là. Mais il est dommage, très dommage que dans le moment de célébration, un moment que vous supposez d'être fier de ce qui est fait hier, non seulement à cause de l'établir le record, mais je peux réaliser dans 170 l'école qui nous participait. Il y a plus de 6000 élèves de différents points de l'île qui ont participé d'un élan patriotique ou un événement pareil. Mais il est dommage que, malgré cela, l'attention peut être détournée vers une polémique. Une polémique inutile et qui s'enfonce. Aujourd'hui, à cause d'un simple typo, d'un certificat, surtout un certificat intérim, vous allez être en face dessus parce que le certificat qui a été remis hier, lors de sa cérémonie qui fait au stade d'Anjali, c'est un interim certificate. Qui veut dire un interim certificate? Veut dire, au moment où vous faites une activité de Guinness World Record, vous ne connaissez pas où vous établir le record là ou pas. Alors, là, je prépare un interim certificate. Si on établit un record, je remets tout un certificat. Mais le certificat final, avec tous les chiffres, ben, je les précis, ça, Guinness World Record dit de nous ça après quelques semaines. Et à cause d'un simple typo d'un interim certificate, nous discrédite l'effort de tous sa centaine des officiers, de sa même ministère, de sa même autorité, de sa même institution-là, qui pendant 4 mois, il prépare cet événement-là. Nous discrédite tout sa effort, sa travail de coordination qu'il fait, pendant tout sa même dimension. Et surtout, à cause d'un simple typo, nous discrédite l'effort et la participation de sa plus de 6000 élèves qui s'y présentent cette année. Je me pose la question, est-ce qu'ils amènent à arriver comme des drapés tout ça, ils avaient un courrier, ils avaient une lettre, ils faisaient un tir et une frappe, ils amènent à arriver. Je suis un journaliste, je me pose la question, ils amènent à arriver quand je vais drapé un article, arriver qu'il y ait un tir et glissé dans un article, inhumain, normal. Et ce certificat-là, quand il est remis, nous pas gagné pour guéclis avant ça. Nous pas trouvé. Bien sûr, si nous trouvé avant, nous y trouvons l'erreur, nous vous demandons qui corrige. Mais malheureusement, nous pas trouvé. Mais dès qu'il nous trouve ça erreur-là, nous demandons Guinness World Record corrige sa typo-là. Et aujourd'hui même, là, nous recevons les updated interim certificate. Ils ont trouvé, ils corrigent sa petite erreur de frappe qui est là-là. Mais ce n'est pas qu'il y a cause un simple typo, comment vous dire, nous remet en cause toute l'organisation et les achievements, ce que nous réalisons hier. Soyons raisonnables, soyons justes vis-à-vis de tous ceux qui mettent tous ces efforts-là pour faire ce qu'ils nous font hier. Et le deuxième point qui peut faire polémique, c'est le pain. Et puis hier, on trouve ça, nos réseaux sociaux, ce matin, si on trouve ça. Pour les activités-là, vu l'envergure, ils viennent réaliser non seulement par le gouvernement, mais ils viennent appuyer le support du privé, de plusieurs sponsors. Si on prend l'exemple Ben Woodies, vous savez, ça mène l'un, ce qui vient des enfants, l'un, mais pour capable d'identifier eux, parce que nous nous représentons la même couleur. Là, nous gagnons participation de Mauritius Télécom. Qui nous sponsorise sa même goodies là. De l'eau qui est distribuée à tous les enfants, nous avons une participation de Aquaspring. Et pareil, ou bien Pack Lunch qui est distribuée à ça, il est sponsorisé par la RIM à travers ce réseau de ben établissement hôtelier. Vous connaissez la nature de cet événement. C'est même l'intérêt, c'est même l'engouement du privé pour ce ministre, ce petit apport, ce petit contribution. Dans cet événement-là, dans lui participe dans un élan national. Et ce matin même, nous dites, comme vous pensez, nous disons des communiqués que la RIM tirée, qui n'apporte certains éclaircissements à ce sujet. Même Pack Lunch, on vous dit, il est sponsorisé par la RIM.
travers plusieurs de ce même métal qui tombe sous l'ombrelle de la ligne. Et un bon parti là-dedans, c'est même, l'établissement 5 étoiles. Et là, étant du même métal, ça quand même, il prépare ce pack lunch. Et bien sûr, il y avait plein qui voyait, il y avait contenu qui voyait. Mais la plupart, pour un souci d'hygiène alimentaire, et pour une raison pratique, je me propose ben, food pack qui veg. Et je me propose ben, un petit pain avec légumes grillés. Et pas ce qu'on peut faire quoi avec une photo qui est publiée, qui dit morgose ou dit aubergine. C'est légumes grillés. Et nous y ajoutons un affaire. Moi, grand matin, avant de faire distribution, nous faisons un sample testing de sa vendimia. Nous assurons nous qui nous peut partager. Nous assurons nous qui nous peut offrir sa vendimia. Et comme on dit, pack lunch. C'est pas juste un petit pain, c'est un petit pain, un fruit, un gâteau sous forme de muffin et bien sûr, vous payez. Un pack lunch. Et nous faisons un sample testing pour assurer qu'il nous peut donner des enfants. Et ça vient d'y faire de très très bonne qualité. Le contenu est de très bonne qualité. C'est un légume grillé et une variété de légumes dans chaque dipin. Et ceci confirmé dans le communiqué de la ville. Nous aussi, nous n'avons pas envie que nous devons faire tous ces efforts-là, nous devons mettre tous ces ressources-là. Nous n'avons pas envie qu'au final, quand nous devons mettre pack lunch vers les enfants, qu'il n'y ait pas de bonne qualité et autres. Nous vérifions tout ça. Mais malheureusement, il y a certains enfants qui n'est pas au bout de certains élèves, je ne sais pas qu'ils ont mangé. Mais pour venir insulter maintenant, pour venir proférer des insultes par rapport à ce qui nous donne des enfants, ça n'est pas correct. Pour redire, il nous fait un sample testing le matin, ça m'a dit un petit de très bonne qualité. Pas comment on peut refaire quoi. Pour mes enfants, il n'y a aucun élément. Mais qui me trouve un appel au Facebook, viennent commencer à faire toute une polémique, commencent à faire une séga avec ça. Ok. Heureusement, pas moi tout seul qui peut dire, heureusement, il a communiqué la rime qui vient comprendre, c'est pas rémunéré, c'est sponsorisé. La nature de l'activité était telle que tout le monde voulait collaborer. Et c'est cette collaboration-là qui prend forme sous la participation de la rime. Et ce qui ne pas réalisé, la rime, pareil comme mon chose télécom, pareil comme avoir Spring et les autres sponsors, de bonne foi, de bonne volonté, de venir de l'avant, de venir collaborer, de venir de notre support, pour se participer. Mais comment faire ça qu'il y a des commentaires qui nous peut faire là aujourd'hui? Est-ce qu'il nous peut encourager le secteur privé, venir collaborer avec le gouvernement, venir collaborer dans une activité pareille? Est-ce qu'avec ça même qualité de commentaires nous peut faire là, nous peut encourager les partenaires du privé, venir de nous coudmer, surtout venir de nous coudmer? Quand nous faisons une activité de nation building, quand nous faisons une activité patriotique, je bien connais cette activité d'hier là, il y a servi dans le cadre 55e anniversaire, célébration 55e anniversaire de la République. Un moment fort pour le pays. Le thème qu'il choisit cette année-là, c'est 55 ans, l'harmonie dans la République. Très symbolique cette année-là. Et qui nous a envie? Nous avons envie qu'il y ait une activité où tout le monde participe. Et c'est pour cela que nous choisissons pour une. Un événement, on pourrait dire que le Guinness World Record, c'est une affaire. Mais nous choisissons un événement pour la participation de la population, la participation des enfants. Et nous, une affaire comme ça, nous venons faire une polémique, nous faire un commentaire déplaisant. Et surtout, on me dire sans fondement, puis aucune raison. Et en tout cas, moi, je réitère mon remerciement à tous les nouveaux sponsors, je réitère mon remerciement à Larine. Mon véritable remerciement à Mauritius Telecom, Aqua Spring et tous les autres partenaires qui collaboraient pour réaliser l'activité d'hier. Et surtout, mon remercier les educators qui accompagnent les élèves, tous les membres du ministère, tous les membres du ministère de l'Éducation, mais également les 6145 étudiants qui sont là, dans la plaine, qui font formation du drapeau national. Et quand nous avons des images, nous avons des frissons. Et nous permet de nous établir un recours. Alors, c'est un grand remerciement à tous ces bénévoles-là qui nous permettent qu'hier, nous n'avons pas réalisé ce qu'ils ont réalisé. Mais, moi, je veux dire, prenez, nous sommes habitués à ça, Esther.
gouvernement d'habitude n'est plus ça fait, n'est qu'une faire polémique. Mais nous les deux là, nous continuons à taper, nous pouvons continuer à barrer. Nous. En tout cas, moi-même, toute l'équipe du ministère, et aussi la population, bien fiers de ce qu'ils ont réalisé hier. Et nous pouvons continuer avec ça. Élan de nation building, d'assurer que l'harmonie continue à régner dans le pays. Et surtout, nous faisons célébration dans le cadre de l'indépendance pour continuer et là, une participation active de la population. Voilà ce qui me tient là pour passer comme message d'aujourd'hui. Et maintenant, vous ouvrir à une bonne question éventuelle. Avec ben élan de continuer à resserrer les coudes entre la population, est-ce qu'il, par exemple, quand il arrive 55e anniversaire du pays, ou pas célébrer, est-ce qu'il ou pas demande la population venir également de célébrer cela? Je vous rappelle, nous une nation multiculturelle. Nous avons plusieurs cultures, nous avons nos spécificités. Et il est bon qu'à chaque fois, nous renforcer ça lien qui nous a dans la population. Il est important que nous nation building. Moi, je ne vous donne de mal là-dedans, que nous avons 6145 enfants hier, ils nous donnent un exemple de nation building, ils nous donnent un exemple du patriotisme à Stade Anjali. Alors, chaque chose a son importance, mais ça aussi est très très important que nous puissions célébrer le patriotisme.